Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay de l'acte 6, acte 1, enfin chapitre 1, acte 1. C'est parti, du coup, on va partir sur cette team-là. On va essayer de faire. On va essayer de finir le côté droit qu'on avait commencé. Donc, par celui-là. Voilà, on va essayer de faire ces persos-là. On va commencer directement, c'est parti. Avec, du coup, on va prendre le premier Iceman. Il avait bien servi la première fois. On espère qu'il fera de même. J'avais juste eu un peu de mal par rapport à son brise-garde, qui est très chiant. Faut vraiment que je le prenne en fait, c'est P2 dans la garde. Ou son P3. Hein. Qu'importe. Voilà, ça c'est un bon combat pour le moment. Continue. Eh, j'ai pris la dégaine. Merde. C'était chaud. C'est passé à deux doigts. Et hop! Nickel, bien joué, Iceman. Beau boulot, mon frère. C'est du bon boulot. Du coup, hop, on continue là-dessus. Et du coup, Iron Man Infinity War. Avec Corvus, notre ami Corvus. J'ai pas regardé les bornes. D'accord, je crois qu'il doit avoir une borne. Osciller. Putain, il gagne vachement du pouvoir. Hein. Mais non, mais j'ai Dext. Pas possible. C'était trop lent pour le coup. Ah dommage, juste avant, dommage, j'arrive vite les gars. Double texte. Ah là là. Putain, cette bande de dégènes là qui chiante. Tant pis, on va le finir parce que je veux quand même. On va quand même le garder. On va quand même le garder. On va mettre quelques petites potions. Ah, cette borne des gènes là qui est vraiment chiante. On focus tellement dessus qu'on se dit on prend quoi? Une brise garde. Et puis moi, si vous voulez, j'ai pas l'habitude que quand il y a un brise garde, enfin d'aller vraiment vers le brise garde quoi. J'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de voilà, je fais le brise garde, je vais derrière, je tempo et puis après je l'ai après le brise garde quoi. J'ai pas l'habitude de lui rusher dessus. Donc du coup, ouais, c'est un peu différent du gameplay que j'ai, que je joue habituellement. Du coup, bah voilà, là, je me fais avoir. Un peu par ça, donc du coup, bio risque, et qu'on n'arrive pas à 1%. Alors, je vais tester Iceman, pourquoi? Parce que je me dis que peut-être qu'avec ses engelures, il pourra du coup faire plus de dégâts entre ses engelures et. Ah, c'est vraiment limité. Entre ses engelures et son passif, je me dis que ça fera sûrement plus de dégâts. Alors, pareil, alors là, c'est pas soit des gènes, soit ça. C'est vraiment particulier comme gameplay. Hein. Ce qui serait plus intéressant, c'est que je dexte. Pas le premier coup, mais le deuxième. Ah. Voilà,
C'est intéressant de tester comme ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, prends ça dans les dents. Oh là là, c'est... Ouais, c'est fini. On prend des dégâts, hein. Honnêtement. Là, comme ça, je vois pas trop comment passer. Iceman est bien pour cette bande-là, en tout cas. Du coup, on a bouffon vert. Bouffon vert, on va avoir... Deux longueurs d'avance et pris au piège. Donc du coup... Du coup, on va y aller Corvus. Parce que du coup, Blade... Alors, ça peut se faire avec Blade, mais bon... On va tester avec Corvus, on verra bien. On est vraiment là pour tester de façon... Hein. Parce que... Ça passe bien, j'ai failli me faire avoir avec le spé, mais à cause de bouffon vert, on peut moins gagner de pouvoir. J'ai failli me faire avoir, j'ai fait gaffe à la barre de spé, comment elle évoluait. C'est comme ça que j'ai su qu'il fallait pas lancer le spé de maintenant, mais il fallait attendre un petit peu. Du coup, pareil, bah Corvus, hein. Alors du coup, on est sur. Ah. Bon, on va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Hop là. Bon, pas que je prends la guerre. C'était ça, ça. Soit la dégène. Alors, évidemment, on relance. Je dirais pas qu'on est ouf pour se préparer au combat contre le boss, mais pour le moment ça va. Alors, désarroi et fléau. Ok, bon, bah du coup, on va y aller. C'est bien ça, un fléau. Ah, c'est ça. Et désarroi. Donc, faut tout faire sauf perdre le combo. Voilà. Donc, quitte à Dex deux fois. La plie. Bon, on s'en est pas trop mal sorti. Ça va. Avec Blade. Toujours un petit Blade qui fait le café. Y a rien à dire pour le coup. Et du coup, bam, on arrive au boss. Alors, le boss. Je pense qu'on va laisser mourir Void. Void, Corvus. Donc Corvus, je crois pas que ce soit vraiment le meilleur perso. En suicide, il peut le faire, en suicide. Ouais, juste avant. Voilà. Oh là là, j'aurais dû carrément prendre la dégène, tant pis. Ah, j'ai mal joué là.
J'aurais dû jouer plus tactique. Plus tactique, mais bon, tant pis. Alors du coup, Void. Un bon buff, un bon debuff. Ouais, oh, pas cher. Hein. Ah, c'est pas le bon qui me met. Allez Void, envoie-nous du lourd. Eh merde. Ah là là, j'aurais pas dû. Parce que d'à côté, si je l'aurais pris dans la garde, je serais... parce que je serais pas mort aussi. Ah, je crois bien que si. Aussi. Ouais. Bon, Iceman ne nous servira à rien. Ghost Rider ne nous servira à rien non plus. On aura encore Réa dessus. J'ai vraiment rien pour le contrer. Bon, dans tous les cas, je prends trop de dégâts dans la garde. Ah, c'est vraiment chaud. Honnêtement, j'ai pour ce boss-là, je l'aime pas. Honnêtement, ce boss-là, je l'aime pas. Je trouve pas la solution. Donc, c'est compliqué. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Aïe 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 Void. Ghost. Ghost. Corvus, totalement à l'ouest ce mec. J'ai hâte de voir ce que donne quand même Ghost là-dessus. Oh non. Oh putain il... Il est censé être passif au moment où je l'attaque, il... Au moment où je l'attaque, il fonce. Ah, chier, putain, c'est... Ah, tant pis. Tant pis, il y a des passages où ça merde. Bon, normalement... C'est la fin pour lui, là. Ok, si vous voulez. Mais écoutez, voilà, écoutez, ça n'a pas été fameux. Toujours du mal contre le boss. Toujours du mal. Il faudrait un Captain American Infinity War doublé. Ce serait pas mal pour le contrer. On va se tenter avec Ghost. Peut-être que Ghost ça peut le faire. Après, j'ai peur pour la dégène. Il faudrait faire Ghost avec Synergy Jewood. Faudrait voir en fonction de la ligne. Faudrait tester. Honnêtement, ça peut se faire. Ça peut se faire. Après, ouais. Une sentinelle. Peut-être une sentinelle avec full spé. Parce que Void, si vous voulez. Alors, Void peut se faire, je pense. C'est le problème, c'est que bon, Void, il est R4, compétence 20. Ça fait. Il est un peu léger, quoi. Il est pas très résistant, quoi. Il se prend beaucoup de trucs. Il se prend beaucoup de coups dans la garde. À défaut de pas prendre l'aspect 2. Donc voilà. Bah écoutez, on verra bien.
Sur ce, bah, bon courage pour pour ce chemin-là. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, j'y répondrai. Et comme d'habitude, toujours la petite chaîne dans la vidéo, enfin dans la description, n'hésitez pas à y aller pour juste lâcher un petit like, juste pour me soutenir dans mon projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et du coup, à très bientôt. À toutes!